Salut YouTube! C'est gênant, j'ai toujours ma perruque pour 5 minutes encore. On vient de survivre à vraiment des gens dégueulasses. On essaie toujours de s'évader de cet enfer. Le bateau était envahi de personnes grosses et déformées du visage. Et ils veulent tous me manger. Et on essaie de. Nous aussi on a faim maintenant. Il va falloir que je mange. Rappelez-vous la fois passée, on a bouffé un rat. On a bouffé un rat, c'était la seule chose qu'on avait pu trouver à manger. Salut Toko! Qu'est-ce qu'on va manger ce coup-ci? Oh, il faut qu'il me laisse la saucisse. Il faut qu'il me laisse la saucisse. Non! Tu me la donnes? Alors franchement, j'y avais pensé. Parce que quand on est arrivé dans la pièce, avant de voir la saucisse, j'ai vu le petit être. Mais après, j'ai vu la saucisse et j'ai dit, bah, ok, bah, on va manger la saucisse. Et j'étais là, mais si on mange la saucisse, il n'y a aucune pression, tout va bien. Bordel, quoi. Mais maintenant, on n'a plus faim. C'est horrible. Bon appétit, Toko, va manger. Toko, c'est le genre de truc qui lui donne faim. Psychopathe. Petite psychopathe. Oh! La japonaise. Par l'asiatique. Oh non, tu dégoûtes, Toko. Dis pas ça comme ça. Nota, j'espère que les lumières sont éteintes. J'espère que les lampes sont éteintes chez vous. Que vous êtes mis dans l'ambiance avec nous. Ça va, j'ai pas oublié de mort, hein. On est bien à 33 morts, hein, les gars. Hein. Alors, l'asiatique qu'on a vue là, ce serait la. Enfin, j'en sais rien, j'imagine que elle serait peut-être à la base de tout. D'ailleurs, les petites figurines là, ça la représente peut-être. Regardez là. C'est ce qu'il faut faire, Toko. On va la suivre. Vous êtes prêts? On va la suivre. On va la suivre. Dans une minute, j'enlève ma perruque. Hein. Perruque de ces morts, là. C'est pas assez haut? Merde. Quoi, c'est pas bon? Je peux pas appuyer sur l'ascenseur comme ça? Ah, je dois rester appuyé, peut-être. Attention. Ah, c'est ça. Attendez, parce que j'ai quand même peur. Attendez, 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 attendez. On se cache quand même. Cannibale égale cannibale, écoutez. Quelle liberté. Oh. Quel enfer cette perruque. Eh ben, c'est là que j'aurais dû couper l'épisode d'avant. Mais c'est pas grave, c'est pas important, on va continuer comme ça. Ouf!
Serpoletta, tu me préfères avec la perruque ou comme ça? Tu me préfères comment? Comment est-ce que tu me préfères? J'articule bien dans le doute, hein. Serpo. Perso, je préfère quand je suis comme ça, moi. J'ai liké ton commentaire, Toko. Après, tu avais commenté un autre jour, donc j'ai peut-être répondu à ton premier commentaire. Je sais comment on va l'appeler la blonde là. Comment? Tous les deux? Natacha! Putain, mais c'est obvious, c'était évident que c'était ça. Mais après, c'est pas une perruque de fille. C'est une perruque en mode Claude François. Je vous jure. Ok. Il va falloir une clé, les amis. Une clé. Ça y est, tout le monde va m'appeler Natacha maintenant. Tu vas voir, ce moment est insane. Ah ouais? En fait, tu connais Bi? Vous avez vu les cadres, hein. Ah, t'as le 2 encore au pire. Et le DLC. C'est la même idée en même temps. Il n'y en a qu'un qui est passé. L'autre, il va passer maintenant, non? Voilà. C'est bon. Screamer ou pas? On va dire que non. Oh, elle a une figurine sur son bureau. Elle a une figurine sur son bureau. Je vais pas pouvoir la casser. Peut-être après. Elle va essayer de m'attaquer. Casser le vase. Vous êtes chaud, on casse le vase et on voit ce qui se passe. Vous voyez le vase sur la table de chevet là? Ou alors, il y a une porte là et je la vois pas. Non, on dirait pas. Hein. Mais on va casser le vase. Mais d'abord, on saute sur son lit. Parce que les lits sont trop bien faits dans ce jeu. Oui! On se détend. Vous êtes prêts? Attention! Attention, attention, c'est évident qu'il faut le casser.
crois qu'elle est plus là. Bah oui, Tisk, moi je peux plus le faire dans la vraie vie. Non, je le fais dans les jeux vidéo. La mélodie. J'espère que vous entendez bien même les petits bruits de pas que je fais quand je suis sur les planches. Là, je suis sur un tapis. On va lui casser la figurine. Je crois qu'on est au dernier niveau. Hein. Ce qu'on a fait juste avant avec les gros qui essaient de me bouffer, c'était l'avant-dernier niveau. Enfin, c'était un niveau complet. Et donc là, ça m'étonnerait pas que ce soit le dernier. Bah, c'est l'armoire. Elle est éclairée de ouf, l'armoire. Ouh. On essaie d'ouvrir l'armoire? Attendez, on va chercher la chaise. Nota qui a supprimé un message de Bi. Je suis à fond dedans, comme toi. Comme toi, Nota. Bi qui se fait calmer sur mon stream. Chier. Ça me tue, ça. Mais attends, est-ce que si je mets la... Non, c'est d'office pas ça. C'est d'office pas ça. Attends. C'est l'autre porte. Attends, attends, attends. Est-ce que je peux pas aller sur celle à gauche? Non. Attends, attendez, attendez. Voilà. Merde. Non? Ok, bon. Peut-être pas. Bah écoutez, on va redescendre dans le salon. Ah, mais peut-être qu'elle aura ouvert la porte. Ah non, je cherche une clé. Attendez, 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 attendez. Je cherche une clé. C'est vrai, on cherche une clé de base. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, c'est vrai. On cherche une clé. Peut-être dans les... Non, dans le tiroir. Oh, dans le vase. Peut-être que dans le vase, il y avait la clé. Oui. C'est ça que Bi voulait me dire. C'est ça qu'il voulait me dire, Bi. Est-ce que c'est ça? Ah bah, Dubert! Est-ce que c'est ça? Batacha aveugle, c'est beau. Mais! Regardez! C'est bon, je l'ai! Eh, hey, je suis un vrai gamer, moi, c'est bon, là, hein. J'ai pas besoin d'aide, là, hein. Salut, Gran! Pas trop de jumpscare. Il y a eu quelques trucs qui ont saisi, mais en vrai, c'est plus dans l'ambiance. C'est l'ambiance qui fout les boules constamment. Bienvenue à toi, Graan. Moi, ça va, sinon. J'espère que toi aussi. L'ambiance est dingue, Graan. Je ne sais plus si tu connais ce jeu ou pas. 3 heures après. Mais ça va! Nota, putain. Nota qui va pas savoir dormir aujourd'hui. Nota qui va ne pas savoir dormir. Moi, je suis à fond dedans, c'est trop trop cool. Je sais. Et je suis content hein, de pas faire tous les jeux à leur sortie parce que je redécouvre ça. Enfin, je découvre ça maintenant. Il date de 2017. Hein. Et je sais pas. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. C'est vrai que je fais pas beaucoup de petits jeux en général, mais. Waouh. C'est bien travaillé, quoi. C'est. Bon. Ok, d'accord, Graan. Bah écoute, non, on s'approche de la fin du 1. Attention au backseat, hein, Graan. Je te connais, toi, hein. Attention, hein. C'est un mannequin, tout va bien.
tas de jumpscares. On est d'accord à qui? Là j'ai eu le petit... Là, j'avais pas eu de jumpscare avant, mais là... Ok. Mon briquet qui s'est éteint et tout. Allez, je me tais. On se plonge dedans, il faut pas que je parle trop. Oh, elle est là. Non, c'est pas elle. Ok, j'ai cru que c'était elle. Pardon. Alors, comment je vais faire pour la fuir, celle-là? Ah! Ça roule bien à toutes! Oh putain. Comment on va faire pour la fuir? Ouais, on dirait un esprit, ouais. Ah, mon oreille. Ça roule, Graham. Trouve un crucifix. Mais attendez, parce que moi, j'ai couru de la vitesse que je pouvais le plus. Je peux juste sauter, je peux sauter, je peux faire des glissades. Oh, on va devoir sauter, hein. Oh, putain! Putain, le con! Qui? Ah! Au secours! Hein, mais cette fois, j'ai de l'avance! Je crois que j'ai pas couru tout de suite la première fois. C'est pour ça. Putain, Aki, tu m'as foutu les boules, et du coup, après, j'ai encore eu peur quand elle est réapparue. Attends, parce qu'elle va d'office réapparaître. J'ai augmenté le son du zombie. Le zombie, on entendait pas fort, je l'ai augmenté, et du coup, ça... Maintenant, il va fort. Évidemment qu'elle va réapparaître. Ça se trouve, elle peut prendre possession des mannequins. Enfin, genre, apparaître à leur place, je sais pas. Maintenant, elle sait que je suis là, par contre. Maintenant, elle sait que je suis là. Elle savait pas avant. Enfin, si, on avait cassé le vase, mais... Non, Nota, je courais. Je te garantis que je courais. Peut-être pas au tout début, mais après, j'ai couru. Garantie. Après, on peut juste courir tout le temps. Oh, putain, arrêtez. Vous m'aurez pas à chaque fois, hein. Oh, je peux aller partout dans la pièce? Ouh, la caméra qui se met exprès dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je sais pas. On dirait que je peux grimper. Attends, la caméra qui fait les trucs étranges. Est-ce que je peux... Vous voyez pas grand-chose, mais moi non plus. Hein. Merde, bah, je suis tombé. Non, j'ai réussi. Je vois pas où je suis. Je vois R. On dirait que je peux grimper là, sur le meuble, là. Ça se trouve pas du tout, hein. J'en sais rien, les gars. Non. Ok. Mais le... Ça va tellement fort, le truc que tu bois. Ah, mais je dois aller là! Tout simplement! Santé, bande de cons. Con avec un K, hein. C'est affectueux. Arrêtez d'essayer de me faire peur. Je préférais presque encore les gros, moi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là, en dessous de moi? Oh! Wow!
C'est la force, hein. Waouh! Est-ce qu'en lui montrant le miroir, on la combat? Est-ce que... Enfin, je veux dire, est-ce que lui montrer son reflet... Si je lance, il se passe quoi? On le casse pas. Après, le miroir, on dirait pas qu'il y a un reflet dedans. Et il n'y a plus de son d'ambiance. Est-ce qu'il y a un combat de boss, genre là, maintenant? Ouais. Ok, elle est là. Bonjour, madame, j'ai un miroir pour vous. Ah oui, elle faisait la lumière, donc on va lui refléter. Oh putain! Ah non, pas du tout. Ça n'aura pas duré longtemps, le fight, hein, Gran. Il existe deux types de personnes, celles qui veulent envoyer un Nyan Cat et des cœurs. Et des cœurs, mais tout le monde économise pour une perruque. Oui, c'est vraiment ça. Oh. Ça aurait été dingue, Aki. Ça aurait été dingue. Par contre, je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Il y avait une zone de lumière. Ah, mais j'ai une mort en plus, attention. Mais je vais encore mourir, hein, parce qu'on va devoir apprendre à comprendre. Enfin, on va devoir tester. La souris, dégage. On va devoir tester. Est-ce que j'étais pas assez face à elle, elle m'a eu? Est-ce que j'ai besoin du miroir? Elle est où la lumière? La lumière, elle vient là normalement, non? La lumière, la lumière, la lumière, la lumière, vite, 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 vite. Ok. Viens ici, sorcière. C'était sûr que c'était là. À droite, à gauche, au milieu. Le prochain va être plus difficile à trouver. Elle va arriver derrière moi. Vous allez voir. Oh putain! Ok, c'est maintenant que c'est chaud, ça va être où la lumière? C'est bon, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, let's go, let's go, let's go. Là, c'est sûr, on la bute, avec ce coup-là, ça va l'achever. Viens là, sorcière. Ouh, elle accélère. Viens là, sorcière. Encore? Encore. Arrête, elle est conne! Elle est un peu bête, non? Oh, on va pas la manger. Non. Notre personnage a faim. Ça se trouve, j'ai un choix à faire. Ça se trouve, je suis pas obligé de la manger. Ah, on va la bouffer. On va juste lui mordiller la main. De toute façon, on est un bébé face à elle, non? Désolé, sorcière. Je sais pas ce que t'essaies de faire ici, mais je vais te manger. Je vais te manger le cou, le visage.
Oh. Ouf. Ah, j'ai eu des frissons là avec la. J'ai payé les DLC aujourd'hui, Graham. Je les ai payés aujourd'hui. Oh, j'ai eu des frissons. Je suis nouveau chef. Est-ce que je suis le putain de boss maintenant? Ou est-ce qu'on va tuer tout le monde? Si c'est une fille, non, j'en sais rien, Graham. Je sais pas du tout. Y a rien qui nous met sur la voie, ou alors j'ai loupé. Là, c'est encore moi qui joue, hein. On arrive. J'ai arrêté d'avancer. On sort? Je sais pas c'est quoi ce truc-là. Vas-y, on sort, on se casse. Franchement, franchement, qualitatif ce jeu, hein. Très très court, mais incroyable. Il coûte pas cher. Je l'ai eu pour 4,50 €. Franchement. Et maintenant, on a le DLC à faire, les amis. Le D-fucking-LC. On va enchaîner, t'inquiète, on n'arrête pas le stream, il est 21 h 40. On va faire le DLC maintenant. Ça, c'est pas de chance, hein, Nota. Et un peu de patience. Moi, je l'ai acheté il y a quelques jours, donc. Grave, Nata. J'ai bien fait d'augmenter un peu le son pour vous, non? La fois passée, c'était moins fort. Là, vous avez pu vous plonger encore plus dedans avec moi, je crois. Bon. Ouais, je pense, hein, Nota, je pense que c'est mieux maintenant. Re Toco. On
On va rester jusqu'à la fin? Bah tu m'étonnes. Après moi j'ai des écouteurs, hein, donc je suis enfermé dedans aussi. Hein. La dernière fois c'était moins flippant sans le son. Mais il y avait le son la dernière fois. Mais c'était pas aussi fort. Mais il y avait le son quand même. J'ai augmenté de 3 décibels le son. Story about very hungry girl. Just that, yeah. Donc c'est une fille? 36 a girl? 6? 6, c'est une fille? Ok, ouais. Ok. Disque. J'avoue, moi, je sais pas. Pourquoi il me dit chute? Désolé, Toko, mais genre, je suis sur mon live, là, non? Comme toi. Ah, je vais regarder la rediff de demain. Ok. Mais là, j'ai rien dit. J'ai rien dit, t'inquiète. Bon, est-ce qu'on regarde jusqu'à la fin le générique? Déjà, on va faire le DLC, les amis. On va faire le DLC. Donc ouais, on va laisser le générique jusqu'à la fin. Franchement, non. Ah, je voulais changer le titre du live, mais si je dois quitter le jeu, il n'y aura plus le son. Mais je me dis que ça va être assez court, normalement, non? Est-ce que je peux le passer, start? Je peux pas le passer. Il me propose pas de le passer. Peut-être qu'il y a un truc, hein. Peut-être pas. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va enchaîner sur les DLC tout de suite. Je crois qu'on joue un autre personnage, dans le même univers, le même endroit, et je suis pas sûr. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je crois qu'on va jouer un personnage qui essaye de s'évader en même temps que le personnage qu'on vient de jouer. Il y a Connor qui... Il y joue aussi, là maintenant. C'est incroyable, ça. Le DLC va spoil. Ben, normalement, c'est une nouvelle histoire, mais au même endroit, quoi. Ça va pas spoil, mais ça va montrer des choses qu'on a peut-être déjà vues, donc ouais, ça peut peut-être un peu spoil. Ronflex, Voltali et moi souhaitons un bon jeu et à demain que la passion vous guide. Ronflex, merci beaucoup pour tout. Ah non, j'ai le bug du gzzz. Merci beaucoup pour tout, Ronflex, t'es juste le boss. Vraiment, vraiment, j'insiste, c'est incroyable. Le soutien que tu m'offres. Oh, donc, une bonne nuit à toi et... Et à demain pour Arc. Demain on fait du Arc. Bah c'est logique Toko. Ils vont pas raconter l'histoire du jeu, mais tu verras peut-être des éléments qu'il y a dans le jeu. Enfin tu vois, c'est un DLC, c'est un truc après quoi. Fais-moi la rediff. Hey. Bon ça s'arrête quand? Je peux pas quitter hein. Je peux pas quitter. Sont cool hein. Ciao ciao Toko, bonne soirée à toi, hein. Merci quand même d'être passé nous voir. C'est un beau chiffre. On va du coup... Oh désolé, vous avez pu avoir le son. Oh désolé, quand je clique là, j'ai plus le son. On va... tant pis. On va copier, on va dupliquer, ok. Et là, ici, hop. On va faire ça. C'est une bonne idée, non? Tu pourras mettre ces sons quand tu vas dans les caves sur Ark. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est des sons flippants, mais mignons, comme ça, tu vois. Un peu cute, comme ça, genre. Ouais, elle compte aussi, mais je trouvais ça cool de les séparer. Tu vois. Comme ça, on voit un peu le... Je sais pas, les... L'évolution. Après, je vais diminuer la taille, je crois. Ah, la musique. Et quand on fera le 2, je noterai les petites morts du 1 aussi. Mais je vais diminuer la taille, quand même. Non mais tu vois, il y a des petits sifflements, c'est un peu mignon comme ça, mais flippant, tu vois. La lumière se rallume avec le violent retour à la réalité. C'est
En fait, c'est ça. Ouais, non, mais t'as raison. En fait, je viens de voir ton deuxième message, enfin ton premier. C'est un peu ça. C'est un peu comme après un film, hein. C'est vraiment ça. Bon, par contre, ça s'arrête quand là? J'ai pas envie de quitter le jeu en mode avec le gestionnaire de tâches, quoi. Et on va arriver à la fin, c'est pas possible. Stop, j'écris stop avec le clavier, ça fait pas, non. Oh. Alors le 2, paraît que le 2 est... Je sais pas si le 2 est mieux, mais il paraît que le 2 est dingue. Il paraît vraiment que le 2 est dingue. La musique. Ton ressenti par rapport au jeu. Je pense que ça nous raconte quoi? Senti déjà, moi j'adore, j'ai juste adoré, j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé de ouf. Le jeu est très beau, il est vraiment bien foutu, mais c'est trop fort dans mes oreilles. Attends, je te répondrai après. Ouais, quand même, hein. Après, c'est quand même un gros jeu, ça. Je quitte jamais les génériques. Je sais pas pourquoi là je voulais le faire, mais je quitte jamais les génériques. Waouh, on est sorti et on est là. Mais attends, on n'est pas sur une île. Ah, c'est un sous-marin? On était dans un putain de sous-marin? Mais non. Mais si, ça flotte. Et il y a la cheminée. Mais tantôt, on a vu la... Ah ouais, ça ressemble à une île là, mais ça se trouve en dessous, je sais pas. On a grimpé sur la paroi, sur la coque tout à l'heure. Ça se trouve, ça c'est le dessus et c'est un sous-marin. Même si ça n'a aucun sens. Mais là, on voit que ça flotte, on voit que ça bouge. On va faire le DLC Alpha, t'inquiète. Ouais, il est dans la merde, hein. Mais il y a Little Nightmare 2. Et on le fera même peut-être dans un mois ou deux. Histoire de oublier un peu, puis se replonger dedans encore mieux. Enter. Ok. Mais moi je crois que ouais, en dessous il devait avoir toute la structure quoi. Très étrange, hein. Très étrange. Ouais, ça doit être ça, Nota. YouTube, c'est la fin de cet épisode. On ne s'arrête pas pour ce soir. On va partir sur les DLC, les amis. D'accord? Donc YouTube, je te dis à bientôt.